Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tester ces deux luminaires. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de ces deux luminaires Trilux, eh bien, je vous invite donc à la regarder. Donc, cette fois-ci, on va tester ces deux luminaires-là. Donc, voilà. Donc, le nettoyage, bon, le nettoyage n'a pas eu trop de différence car le plastique et. Enfin, non, le métal, je veux dire. Et bien attaqué, moi bon, c'est un peu plus, c'est plus blanc, mais bon, sinon bah il faut faire la peinture parce qu'il n'y a pas, ça, on peut pas faire plus. Moi j'ai pris des produits, un produit nettoyant, dégraissant et tout à base d'eau de Javel et tout ça et il se passe pas grand chose. Donc bon voilà quoi. Mais mis à part ça, j'ai nettoyé un petit peu. Tout ce qu'il y avait quoi, même à l'arrière, et voilà comment à quoi ça ressemble. Donc il y a peu, ça a pas vraiment de différence. La rouille on peut pas l'enlever par contre. Donc voilà. Donc on va tester une première fois avec les vasques, sans vasque, et une seconde fois sans les vasques. Donc voilà. Donc on va tester d'abord ce premier luminaire avec Philips S2 et voilà. Et les tubes. Donc, et les tubes Philips aussi de différentes générations. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Donc voilà, nickel, ça fonctionne bien. Donc voilà, nickel. Voilà, bah ça fonctionne très bien. Voilà, je suis content. Pour la première, pour le premier luminaire, il n'y a aucun souci. Et second, on va tester ça. Donc c'est des tubes Claude avec les starters de différentes générations. Donc c'est parti, 1, 2, 3. Oh là là, putain. Punaise, je veux dire, mais là, regardez-moi l'électrode. Le tube, il a un souci là. Ah bah voilà. D'accord, bon bah, d'accord. Donc bah, je vais vous expliquer ça. C'est que c'est pas moi qui l'a qui c'est pas moi le tube, je l'ai branché. Donc en gros, à l'avant, j'ai fait un test pour voir s'il n'y a pas de défaut d'isolement ni quoi que ce soit. Le tube était fonctionnait mais parfaitement bien et à un moment, il fait quoi? Il vrille. Je sais pas, il perd sa de sa de son intensité de lumière en fait, sa puissance lumineuse et voilà, se met à clignoter comme ça. Et voilà. D'accord. Bon ben, je crois que le tube était percé, mais pas complètement. Et en fait, il suffisait qu'il y ait peut-être un tout petit peu perturbé pour que ça perce. Et le tube, en fait, s'est mis comment dire, à se vider en plein allumage. Voilà. Bon ben, voilà. Le tube, il est foutu. Heureusement, le second a l'air de bien fonctionner. Bon, c'est pas très grave. Je vais mettre quoi d'ailleurs? Je vais mettre un tube Osram. Allez, hop, vite fait. Voilà, on va remplacer le tube. Qui est foutu au bout de je sais pas combien de temps de d'allumage. Bon, il était pas jeune non plus, donc c'est voilà. Bon, c'est pas grave. Hop là, on va mettre un tube Osram en attendant. Par contre, c'est pas de la même couleur, malheureusement. C'est une main blanc froid. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Bon, voilà. Hein. Il a l'air de bien fonctionner. Voilà. J'espère qu'il va pas déconner cette fois-ci, qu'il va pas faire comme l'autre. Mais sinon, voilà, tout va bien. L'autre tube, heureusement, fonctionne bien. Mais lui, bon, bah, voilà. Hein, voilà. Hein. Et en plus, le pire, c'est quand la première fois que j'ai utilisé, comme je vous ai dit, voilà, il fonctionnait parfaitement. Puis c'est vidé de son gaz en plein fonctionnement. D'accord. Bon, bah, c'est génial. Donc, voilà. Bon, bah, maintenant, on va faire quoi? On va mettre les tubes. Attends, les starters sont loin. On va mettre les tubes, les deux tubes. Non, n'importe quoi. Les vasques des luminaires pour voir l'effet que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, bon bah, place au test avec la vasque. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Oula. Mais voilà, ça fonctionne. Donc nickel. Et le second. Donc voilà.
Bon, hein, il y a une différence, hein, regardez, hein, c'est là celui-là que j'ai remplacé parce que l'autre tube nous a lâché dans les pattes. Voilà. Et bon, bah voilà, bon, bah ça fonctionne nickel. C'est cool. Voilà, hein, donc je vais essayer de les éteindre les deux en même temps. Non, comment je vais pouvoir faire? Bah non, je peux pas faire autrement là. Donc on va essayer d'allumer quasiment en même temps. Donc voilà, les starters des fois sont un peu longs hein, pour amorcer le tube. Hein. Mais sinon voilà, bah nickel, hein. Bon, bah, c'est cool. Bon voilà, bah, c'est la première, mon premier Trilux que j'ai. Voilà, donc vraiment magnifique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.